Nous sommes aujourd'hui présents sur le site du Cyclope Saint-Ouen. Mon rôle aujourd'hui sur le Cyclope Saint-Ouen est de participer à la réflexion avec la maîtrise d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre et l'exploitant, afin de réfléchir ensemble sur les mesures de sécurité à mettre en place sur site. Et donc ces mesures ont pour rôle aujourd'hui d'éviter tout éventuel risque d'incident ou d'accident sur notre site, mais aussi de sensibiliser les collaborateurs afin d'inculquer une culture sécurité auprès de ces derniers, pour justement être dans cet objectif de pérenniser la sécurité en tout lieu et en tout moment sur notre site. Nous sommes là pour effectuer le détubage et retubage de la cheminée TR2 sur le Cyctom Saint-Ouen. Donc nous avons effectué au détubage du conduit SVR. Nous avons retiré l'élément en neuf éléments. Quoi. Le conduit était de 9 éléments à l'aide de la grue 450 tonnes. À partir de demain matin, la livraison des nouveaux conduits en inox 904L vont commencer pour 3 jours de retubage, et nous avons mis 2 jours pour évacuer le conduit en résine de verre, SVR. Aujourd'hui, nous sommes actuellement à la phase de démantèlement de la tranche 2, donc le démantèlement notamment des équipements laveur acide, laveur basique et aussi intérieur de cheminée, donc parois de cheminée. Donc ces tubes de cheminée, une fois démantelés, sont apportés vers des zones aujourd'hui de découpe dédiées. Ces zones de découpe dédiées dans lesquelles les engins les découpent et placent du coup les produits ou les déchets dans des bennes qui sont évacuées vers des centres de traitement spécifiques. Ces deux missions sont aujourd'hui liées par le fait que j'organise, je mène et je pilote les réunions de coactivité en collaboration avec le préventeur, avec le Supra SPS et le Supra OPC, les maîtrises d'œuvre et les maîtrises d'ouvrage, afin de planifier en amont les éventuelles coactivités et de trouver des solutions afin d'éviter toute superposition de tâches ou toute coactivité éventuellement gênant ou bloquant sur notre site.